Hola, j'espère que c'est chez vous, vous allez très bien. Moi, c'est Delphine. D'accord, pour cette vidéo, j'ai juste envie de célébrer le Seigneur. J'ai juste envie de dire merci à Dieu. C'est une vidéo de célébration au Seigneur parce que ce qu'il fait pour nous, l'année 2020 a été une année difficile et nous allons maintenant entrer à l'année 2021. C'est lui qui a permis que nous puissions entrer dans cette année. Et pour cette vidéo, je voulais juste lui rendre gloire, je voulais juste danser. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, mais vous, si vous voulez danser avec moi, dansez avec moi. C'est une vidéo de célébration, des témoignages. Je vais vous donner aussi des témoignages de ce qui m'est arrivé, sur ce qui s'est passé et comment ce Dieu puissant a agi dans ma vie. D'accord? Donc, voilà. Je vous emmène dans mon monde. La chanson s'appelle Kumama Libela. Et comme je ne peux pas mettre les chansons YouTube, il ne veut pas, donc je vais chanter avec mon téléphone. Hey, Yahweh, hey, Yahweh, Yahweh, Kubama. Hey, Yahweh, ah. Hey, Yahweh, Yahweh, Kubama, Libela. Hey, Yahweh, hey, Yahweh. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama, Rosalie de Zambé. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama, Libela. Yahweh, Nona, Ekoki, Yahweh, Nalingi, Kokubisa, Yo. Makina, Yo, Kumama. Ozali Nzambe, eh, Yahweh, Kumama, Libela. Batelingai, kino lelo, ningi basila. Basila kokufae. Kasi bolingo na yo, yango papa, batelinga, Papa yonde lombe, maladie si laka, nanzata ya moto, Yahweh, 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 Kumama, Libela. Sala, ma pièce à l'échange. Papa n'a l'air au sala qui bise bateau. Tiens, allez, aïa, kuna la lola, ma si aïe, kumama.
Mais tout calme, Meli Bango. Meli Bango, Yaya. Sansa Kiyoe, Poteyo Zala Kinkolo, Poteyo Zala Kinzambe. Tozali pe naba moye, Motoza kosuka kasi, Yankolo esuka kate, Yaya. Kuna na la la. Mama Yahweh, 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 Mama Yahweh. Je célèbre les dieux. Yeah. Je vais mettre la lumière. Mama Yahweh, Mama Yahweh. Ne pense plus aux événements passés, plus ce qui est ancien. Si je veux faire une chose nouvelle qui est près d'arriver. Hey! Mama. Une autre chanson. Alléluia. On continue à célébrer notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Hey! Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Alléluia. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alléluia, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alléluia, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, Jésus. Et c'est que tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu ferais un chemin. Au Père des miracles,
Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, Jésus, c'est ce que tu es. On va continuer à célébrer le Seigneur, mais je vais faire une courte pause pour vous parler de ce Dieu qui est puissant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la puissance de Dieu dans ma vie. La puissance de Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, mais écoute seulement mon témoignage, tu vas dire peut-être que c'est rien, mais c'est grandiose. Ce Dieu-là, il est puissant. Quand tu vois même que tu dors, tu te réveilles, parce que quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe la nuit. Quand on dort, on n'est pas conscient. Quand on dort, on est mort. Mais quand tu te réveilles, c'est souffle de vie, tu l'as. Qui te le donne? C'est Dieu. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à COVID, quand tu vois tout autour de toi, des gens sont disparus ou sont morts, mais toi, tu es encore en vie. Alors que quand tu sors, tu croises des gens malades. Quand tu sors dans les métros, tu croises des gens malades. Quand tu vas dans les transports en commun, tu croises des gens malades, mais tu n'es pas malade du COVID, tu es encore en vie. Ça veut dire que Dieu a encore un plan pour toi. Ça veut dire que Dieu est encore puissant. Parce que Dieu, c'est Dieu là qui te protège. Tu vas dire que Dieu n'existe pas, mais Dieu, il existe. Dieu, il existe. À l'année 2020, il s'est passé beaucoup de choses pas bien dans ma vie. Mais j'ai gardé la tête haute parce que j'avais ce Dieu-là. J'ai gardé la tête parce que j'ai ce Dieu-là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quel est mon témoignage? J'ai connu Dieu depuis toute petite, depuis l'âge de 7 ans. Et il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Peu importe les situations difficiles, je suis quelqu'un qui est fort de caractère. Je suis quelqu'un qui est forte dans l'adversité. Je suis quelqu'un qui est forte dans les difficultés. Comment je tiens le coup? C'est parce que j'ai ce Dieu-là. J'ai connu le divorce, j'ai connu l'humiliation de l'homme, Il y a des hommes qui ont dit, tu ne vas pas t'en sortir, qui m'ont abandonné. Mais Dieu là ne m'a jamais abandonné, il a toujours été là avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour moi encore? Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Si je commence à vous raconter ma vie avec le Seigneur Jésus, on ne va pas en finir. Ça sera une vidéo qui sera longue, qui sera interminable. Mais je vais faire court pour vous montrer la puissance de Dieu. Une fois, je suis allée, j'étais dans le métro avec mes enfants. Cette vidéo-là, elle a fait le buzz. Cette vidéo, elle a fait le buzz pour la fille qui m'avait interpellée. Donc, c'est elle qui l'a publiée, mais c'était moi. Mais si je trouve la vidéo, je vous mettrai en lien avec cette vidéo que j'ai faite. Si je trouve la vidéo. On a failli me voler mon téléphone. J'étais dans les RER avec mes enfants. On sortait de l'église. Mon téléphone, il était dans ma poche. Et j'étais en train de descendre et il y a une jeune fille qui m'interpelle. Madame, faites attention à vos poches, il y a quelqu'un qui veut mettre dans la main. La fille, elle a interpellé les messieurs qui voulaient me voler mon téléphone. Après, quand je me suis retournée, j'ai mis la main dans ma poche et mon téléphone était encore dedans. Mais la fille, elle a pris les risques. Elle a pris les risques d'interpeller les messieurs qui voulaient me voler. Parce qu'il a dit non, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas laisser passer ça. Et mon téléphone a été sauvé. Ça ne m'a pas été volé. C'est un téléphone qui coûte cher. Il était dans ma poche. Mais qui peut faire ce genre de choses? Qui peut faire ce genre de choses si ce n'est pas Dieu? Si tu ne crois pas à la puissance de Dieu, est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin pour voir que Dieu existe? Dieu, il existe réellement. Si tu ne connais pas Dieu, je vais te montrer la puissance de Dieu. Je vais encore te raconter. Toujours dans les transports en commun, ça m'est arrivé deux fois que j'ai perdu mon portefeuille. D'ailleurs, je vais vous les chercher pour vous le trouver. C'est ce portefeuille là que j'avais perdu. C'est là. Ça, c'est mon portefeuille que j'ai perdu. Il était dans mon sac. Vous voyez, il y a toutes mes affaires dedans. C'est-à-dire ma carte d'identité, mes numéros de sécurité sociale, mes cartes bancaires. Toute ma vie était sous ce portefeuille-là. D'accord? On me l'a volé. Les pickpockets me l'ont volé dans les transports en commun. D'accord? Je suis rentrée chez moi tranquille. J'étais là. Bon, ben, il est arrivé vers 20h du soir. Donc, j'ai dit à ma fille, OK, je vais vous laisser de l'argent pour aller faire des courses le lendemain. J'ai dit à ma fille, ouvre mon sac, prends mon portefeuille, prends de l'argent et tu vas aller faire des courses demain. Ma fille, elle me dit, mais maman, il n'y a pas de portefeuille dans ton sac. J'ai dit, comment ça, il n'y a pas de portefeuille dans mon sac? Il était dans mon sac.
Il a dit, maman, il n'y a pas de portefeuille. Je suis allée, j'ai fouillé mon sac. Mon portefeuille n'était pas là. Disparu, volé par les pickpockets. C'est ces portefeuilles-là. Ce n'est pas du blabla, c'est ces portefeuilles-là. Il a été volé dans mon sac. Mais à l'intérieur de moi, j'avais cette paix-là. Je n'ai pas paniqué, j'ai dit, ok, bon ben, la personne qui l'a pris, je sais que je ne suis pas n'importe qui, je suis la fille du roi de rois. Je sais que Dieu va me le ramener, ces portefeuilles-là. J'ai proclamé, j'ai dit juste dans ma bouche, j'ai proclamé. J'ai dit, je sais que Dieu va me ramener ces portefeuilles-là. On est resté là. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas me ramener mon portefeuille. Là, c'était vers 20h. D'accord? Arrivé à 21h, il y a quelqu'un qui m'appelle. Quelqu'un qui m'appelle. Elle a vu mon adresse. Elle a vu. Mais il est parti les déposer parce que j'avais déménagé entre temps. J'habitais autre part. Du coup, c'était pas dans mon vraie adresse. Donc, il est parti sur mon vraie adresse. Il y avait quand même ma famille. Donc, ils sont allés voir dans mon adresse. Ils ont dit, mais on a ramassé un portefeuille au Pôle emploi. C'était à Paris. Paris des Pôles emploi. Et voilà, on ne sait pas. Voilà. Du coup, c'était mon neveu qui a accueilli la dame. Il dit, ok, ouais, c'est ma tante, tout ça. Donnez-nous son numéro, on va l'appeler. On m'appelle, la dame me dit, j'ai ramassé votre portefeuille au Pôle emploi. Au Pôle emploi, c'est-à-dire l'endroit où les gens viennent chercher du travail. Vous vous rendez compte, mon portefeuille était dans mon sac. J'étais dans le transport en commun, il se retrouve dans un Pôle emploi à Paris. D'accord? Mon portefeuille s'est retrouvé dans un Pôle emploi à Paris. Et c'est une dame qui a ramassé mon portefeuille. Ce portefeuille était intact. Où est-ce que tu as vu pickpocket ramasser un portefeuille et ne rien prendre dedans? Où est-ce que tu as vu ça? Parce que les pickpockets, quand ils te volent ton portefeuille, c'est pour prendre la carte bancaire, c'est pour te prendre des sous. J'ai trouvé mon portefeuille intact. Ma carte d'identité, ma carte bancaire intacte. Je suis allée vérifier mon compte bancaire, tout était ok, normal. Comment ne pas dire que Dieu n'existe pas? Comment ne pas dire que Dieu n'existe pas? Un portefeuille ramassé dans un Pôle emploi qui était volé dans mon sac, qui se retrouve dans un Pôle emploi à Paris et retourné intact. Intact. Quand je dis intact, c'est intact. C'est la démonstration de Dieu que je suis en train de vous parler là. Ce n'est pas du blablabla. C'est la puissance de Dieu que je suis en train de vous parler. Toi qui vas suivre mes vidéos, toi qui ne crois pas que Dieu n'existe pas, déjà, le fait que tu sois debout, le fait que tu sois en vie, sache qu'il y a un créateur qui t'a créé. Sache qu'il y a quelqu'un qui a fait que tu existes. Sache qu'il y a quelqu'un qui a permis que tes parents se croisent, qu'ils tombent enceinte et que tu sois vivant. Toujours avec ces portefeuilles-là. Ça, c'est la première fois que je l'ai perdu. Je l'ai encore perdu une autre fois. Je ne savais pas où j'avais mis mon portefeuille. J'ai fouillé partout. J'ai dit, mais je ne sais pas. C'est la deuxième fois que je perds ce portefeuille. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe là encore avec mon portefeuille là? Ah, moi aussi Delphine, je suis maladroite. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai encore perdu mon portefeuille. Mes bien-aimés, j'ai retrouvé mon portefeuille. Il était dans mon travail. Comment il s'est retrouvé dans mon travail? Je sais qu'il était dans mon sac. Dans mon travail, je ne sors jamais mon portefeuille. Je ne le sors jamais dans mon travail parce que j'en ai pas besoin. Travaille dans les vestiaires, tu vas sortir ton portefeuille pour faire quoi avec? J'ai trouvé mon portefeuille dans une chaise comme ça au travail. Dans le vestiaire, mon portefeuille était là. Dites-moi, comment ne pas croire que ce Dieu-là existe? J'ai vécu des choses incroyables avec Dieu. J'ai vécu des choses merveilleuses avec ce Dieu-là. C'est pour ça que je veux te dire, ce Dieu-là, il existe. Si tu ne crois pas en Dieu, à partir même de mon témoignage, crois que ce Dieu existe. Crois que ce Dieu existe. Et un autre témoignage. Hein? Je vais vous dire que j'en ai pas fini avec les témoignages. Ce que Dieu a fait pour moi. Quelqu'un a ramené ma photo chez les féticheurs. Ma photo, mon visage. Il a ramené ça chez les féticheurs. Hein? Vous avez déjà vécu ça? À un moment de ma vie, j'avais des maux de tête. C'est arrivé un jour, j'avais des maux de tête. Un conseil. Si vous voyez quelque chose qui est inhabituel, que vous n'avez pas l'habitude de voir, il faut se dire qu'il y a un malin qui est en train de vous... C'est le diable qui est en train de vous faire mal.
Quand vous voyez des choses qui vous arrivent inattendues, des choses que tu t'attendais même pas à voir brusquement comme ça t'arrive un truc, il faut se dire, il faut faire attention. Si tu es chrétien, je te conseille de prier. Quand tu vois une chose inhabituelle qui arrive dans ta vie, prie. D'accord? J'ai eu des maux de tête. J'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas quelqu'un qui a souvent des maux de tête comme ça. J'ai imposé les mains sur ma tête et j'ai commencé à prier. J'ai dit, retour à l'envoyeur, ces maux de tête-là, retour à l'envoyeur. J'ai prié comme jamais. Et après quelques heures, bon, les maux de tête se sont passés. Et je rencontré un homme de Dieu, on avait un séminaire dans notre église. Un homme de Dieu qui me dit, qui me voit, qui me dit, ah ma soeur, Dieu t'aime beaucoup. Sache que Dieu t'aime beaucoup. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Il me dit, vous savez que quelqu'un a ramené ta photo chez les féticheurs, chez les satanistes, pour te faire du mal, pour te tuer. Tu es quelqu'un qui ne devait même pas arriver à la fin de l'année. Tu es quelqu'un qui devait déjà mourir. Mais si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu t'a préservé. T'avais, un moment, tu avais des maux de tête. Mais c'était ces jours-là que ta photo s'est retrouvée chez les féticheurs. Mais les féticheurs ont vu le feu quand il a utilisé ta photo. Il n'a pas pu te tuer parce que tu es un enfant de Dieu. Comment ne pas célébrer ces dieux-là? Comment ne pas célébrer des jaloux qui nous entourent? Tout autour de nous, il y a des serpents qui rôdent. Comment tu peux inviter Jésus dans ta vie? Par une simple acceptation, par une simple déclaration. Seigneur, j'ai conduit ma vie toute seule. Désormais, je t'invite dans ma vie, Jésus. Je veux que tu sois le centre de ma vie maintenant. Je veux que tu conduis ma vie maintenant. Je veux que tu sois le maître de ma vie maintenant. Prends la place et conduis-moi. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu fais juste cette prière-là et Jésus sera ton ami. Jésus habitera dans ton cœur. C'est de ça que je vais te communiquer. Si tu ne connais pas Jésus dans ta vie, je vais te dire que c'est la meilleure des choses à avoir dans ta vie. C'est la meilleure des choses à avoir dans ta vie, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu m'a épargné de la mort. Connaître Dieu m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Je suis née d'une famille pauvre. Je suis née d'une famille très pauvre. Mais Dieu a permis que je puisse avoir les enfants que j'ai aujourd'hui, la famille que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à ces dieux-là. Comment ne pas les célébrer? Comment ne pas, si vous me voyez dans mes vidéos, je danse, je chante parce que je sais d'où je viens. Si vous me voyez en train de chanter, de célébrer comme ça, c'est pour vos dieux. Ce Dieu-là est puissant, il est réel. Jésus-Christ est réel. Il faut faire une expérience avec lui. Là, je viens de vous démontrer la puissance de Dieu. Un portefeuille piqué, volé par des pickpockets, on le retrouve intact. On n'a pas volé quoi que ce soit. J'ai retrouvé mon portefeuille. Où est-ce que tu as vu ça? Un pickpocket volait ton portefeuille? Et tu retrouves ta carte bancaire. Non. Inimaginable. Mais ça m'est arrivé parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui je vais les célébrer. C'est pour ça aujourd'hui je veux te dire merci de m'avoir gardé en vie jusqu'aujourd'hui. Merci d'avoir gardé ma famille jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de décès. Je veux lui dire merci. Je vais témoigner de cette grandeur, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais danser, louer ce Dieu-là. Toi qui me suis, si tu hésites encore, sache que Dieu existe réellement. Il existe réellement. Si tu l'invites dans ta vie là, tu sais, dans la vie, tu peux. Il y a la seule personne qui peut nous aimer, c'est ce Dieu-là. Lui, quand il est dans ta vie, il te donne une certaine paix, la joie du cœur. Il te donne la paix, même quand tu as des problèmes. En fait, tu ne vois pas la grandeur de ces problèmes-là. Lui, il te donne l'assurance, la force de surmonter. Tu ne vas même pas y croire que c'est moi qui surmonte tout. Moi, je suis là, tu peux m'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais tu ne vas pas comprendre. Tu vas croire peut-être que je vais réagir violemment ou autrement. Mais non, je suis zen. Zen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu-là qui a rempli mon cœur d'amour. Un homme peut te dire aujourd'hui qu'il t'aime, mais demain, il peut te dire « j'en veux plus de toi, je divorce ». Une femme peut te dire que je t'aime aujourd'hui, mais demain, il te dit je t'abandonne, je ne veux plus parce qu'il a trouvé autre part. Mais c'est Dieu-là, lui, il ne nous abandonne jamais. Son amour est tellement immense. C'est pour ça que je te dis, il est à la porte, il arrive bientôt. Jésus revient bientôt dans ta vie à lui. Quand tu descends,
Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et temps. Tu descends quand tu descends. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre quand tu descends. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre quand tu descends. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre quand tu descends. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Les maladies s'enfuient, les aveugles les voient, les paralytiques sautent des joies. Et ils servent l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles les voient, les paralytiques sautent des joies. Il sévit l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il délivre par sa puissance, il guérit par sa puissance, par sa puissance, il délivre. Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Si tu ne crois pas encore en Dieu, tu hésites, ma soeur, mon frère, tu vas être surpris un jour. Tu dois savoir que Dieu existe. Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu crois tout ce peu de témoignages que je viens de te dire, si tu crois qu'il existe, déclare que je t'invite, Jésus, dans ma vie et viens t'asseoir avec moi. Viens t'asseoir avec moi. Ok? Viens t'asseoir avec moi, viens guider ma vie. Tu vas voir Jésus, il va remplir ton cœur d'amour, de joie, de paix. Ce monde, il n'y a pas de paix dans ce monde. Il y a toujours un truc qui va te faire peur, il y a toujours un truc. Mais Dieu, quand tu l'invites dans ta vie, c'est, il vient, il te change, il rayonne ta vie de joie, de paix. L'amour d'un homme est éphémère. L'amour d'un homme, là, un homme, quand il t'aime aujourd'hui, demain, il te quitte. Combien de divorces dans ma chaîne j'ai parlé d'une vidéo? Un couple sur deux se sépare. Si tu t'accroches à ton homme, tu t'accroches à ta femme, un jour aussi t'es dit que je te quitte, tu te retrouves bredouille. La seule personne qui va jamais te quitter, c'est Dieu. Donne ta vie au Seigneur. C'est cette vidéo, je voulais te montrer la grandeur de mon Jésus. Je voulais te montrer la grandeur de Dieu. Toi qui ne crois pas en Dieu, je t'invite de croire en Jésus et de donner ta vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? Donne ta vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Une autre chanson. Je vais continuer à célébrer le Seigneur. Je vais m'asseoir. D'accord? Et je vais vous présenter des livres qui vont changer vos vies. Je vais vous présenter des livres qui vont transformer vos vies. Alléluia. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia. Sois loué Jésus. Sois célébré, magnifié. Alléluia. La vidéo, elle est longue. Désolé les amours. Désolé mes lovers. Mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je dis merci. Je voulais qu'une personne tombe un jour sous cette vidéo, clique un jour sous cette vidéo et que la vie d'une personne soit changée et que la vie d'une personne soit transformée au travers de cette vidéo seulement. Que le cœur soit touché, que le cœur change. D'accord? Ce monde est vanité, vanité de vanité. Ce monde y passera. Mais Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Si tu donnes ta vie à Jésus,
Il prend la charge, il prend la responsabilité de te donner tout ce qui te manque dans ta vie. Il prend la charge de te prendre en charge dans ta totalité. D'accord? Je veux te parler de deux livres qui sont importants. Deux livres là, tu peux les trouver. Ces deux livres ont transformé ma vie. Tu peux les trouver dans édition Roi des Rois. Tu commandes ou tu peux les trouver en ligne sur Amazon. D'accord? L'auteur s'appelle Catherine Baxter. C'est une Américaine que Dieu s'est révélé à lui, à elle plutôt. Et Dieu l'a amené au paradis et en enfer. Il lui a dit d'écrire ces deux livres pour montrer aux gens que l'enfer existe et le paradis existe. Et cette dame, elle a écrit donc ces deux livres, ces deux bouquins qui ont transformé vraiment ma vie. Ces deux bouquins, quand tu les lis, ça te calme. Comme si tu étais quelqu'un qui avait une vie désordonnée, quand tu lis ces deux livres, ça te calme et ça te remet vraiment dans le droit chemin et tu auras une autre vision du monde. Quand tu lis ces deux livres, tu vas avoir une autre vision du monde. Ta vie, elle sera plus la même. D'accord? Alors, le premier, c'est une révélation divine du paradis. Une révélation divine du paradis. L'auteur, c'est Catherine Baxter. Si tu tapes sur Google, tu trouveras les livres et où tu peux la commander. Je te conseille vraiment de lire ces deux bouquins. Et l'autre, c'est une révélation divine de l'enfer. L'enfer est réel. L'enfer existe. Si tu crois que ce monde y passera comme ça, tu te trompes énormément. L'enfer existe. Et dès maintenant, choisis ton camp. D'accord? Choisis ton camp. Est-ce que tu choisis les paradis ou tu choisis l'enfer? Qu'est-ce que tu choisis? D'accord? Mais avant de faire le choix, je te demande de lire les deux bouquins et tu sauras quel camp tu vas choisir. L'auteur s'appelle Catherine Baxter. Ces deux bouquins ont transformé ma vie et je vous conseille de les lire et vous ne serez jamais le même. Une révélation divine du paradis, une révélation divine de l'enfer. Ces deux bouquins sont juste top. Je vous conseille de les lire. C'est incroyable. Je vous conseille de le lire vivement et vous allez voir vos vies seront transformées. Voilà. Alors, une autre chanson, je voulais célébrer Jésus aujourd'hui. Je voulais dire merci à Jésus pour tous ses bienfaits. Je voulais dire merci au Seigneur pour ses merveilles. Merci de nous avoir gardés en bonne santé, moi et ma petite famille. Si je respire, si je vais encore faire des vidéos parce qu'il a permis que je puisse les faire, parce qu'il a permis que je puisse être en bonne santé. Si je n'étais pas en bonne santé, j'allais pas me tenir devant vous pour faire ces vidéos. C'est pour vous. J'ai juste envie de les célébrer, de les louer. Zambé malamu, hey, Zambé malamu, Zambé malamu, hey, malamu, malamu, Zambé, Zambé malamu. Zambé, malamu, malamu, Jéhovah, Zambé, malamu, hey, malamu, malamu, Zamboza bolingo, hey, Zamboza bolingo, hey, Zamboza bolingo, bolingo, bolingo. Zamboza bolingo, hey, Zamboza bolingo. C'est que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. C'est que le Père recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité qu'il adore. Esprit et en vérité, Dieu existe réellement. Alors, pour terminer cette vidéo, je te dis, donne ta vie au Seigneur, donne ta vie à Dieu et il va renouveler ta vie, il va transformer ta vie et tu verras que ta vie ne sera plus la même. D'accord? Je te fais plein de bisous. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, bien qu'elle est longue, mais ça valait le coup de célébrer le Seigneur, de célébrer Dieu pour tout ce qu'il a fait en cette année 2020. Et je sais que l'année 2021 nous réserve de belles surprises, des belles choses. D'accord? Si tu as aimé la vidéo, je te demande de t'abonner, de partager la vidéo. Ça fera du bien à quelqu'un d'autre pour connaître ces petits témoignages que j'ai fait. J'en ai plein, plein, parce que j'ai fait une expérience avec le Seigneur.
Partage cette vidéo, ça fera peut-être du bien quelqu'un. Ça rappellera à une autre personne que Dieu existe réellement. Si tu ne crois pas encore en Dieu, c'est le moment de croire en Dieu. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus est vivant. Il agit. D'accord? Je te bénis. Je te fais plein de bisous. Et si tu es malade, que là où tu es, que tu reçoives la guérison. Si tu as des problèmes, que Dieu te donne des solutions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout va bien avec Jésus-Christ. Je vous fais plein de bisous. Et si Dieu le permet encore, je reviendrai avec vous avec plein d'autres sujets, plein d'autres vidéos qui est de thèmes que vous aimerez bien. Mais ces thèmes d'aujourd'hui, la célébration du Seigneur, c'était important pour moi de le faire pour lui dire merci et pour dire à ceux qui ne le connaissent pas qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il est là. Plein de bisous à vous. Je vous dis hasta luego. Vamos. Ciao.